tour pour ce motopère de ce moteur 600 centimètres et c'est parti pour 5 tours de folie. Le meilleur départ pour Julien Procker. Le meilleur départ pour Julien Procker, la deuxième étape de Julien Procker. Jean-Marie Jouvent, titre en perdition à la lutte avec Stéphane Fer. On a Philippe Pannon qui passe derrière la meilleure. On a Maxime Agallo. Attention, on a des pirates qui sont partis à la faute. On a des pirates qui sont partis à la faute. Jean-Marie Jouvent a complètement loupé son premier tour. Alors, ils vont aller s'expliquer là-bas dans le bout de la ligne droite. Ok, ça va très très vite cette catégorie 600. Un poids à peu près d'environ 320 kg pour la machine, puissance de 130 chevaux. Pour ces petits moteurs 600 cm3, les Yamaha R6 sont à la fête. Avec Gilles Procker qui prend la tête de la course, devant. On a le numéro 16 à la deuxième place de Jean-Pierre Beauvois, la troisième pour Gisela Etienne, la quatrième pour Stéphane Serre. Ensuite, on retrouve la pierre avec des Et pour l'instant, il se pose aucun problème, c'est Julien Procker avec son numéro 11, la deuxième place est bien assurée là pour Jean-Pierre Beauvois avec Gisela Etienne et Jean-Marie Jouvent. Il nous faut toujours extérieur pour essayer de remonter au contact. Du tiers sur tête, malheureusement, on a la balle, la balle de Philippe Pallouf dans le virage. Et puis dans le Maxime Agallo, le numéro 1 qui pointe actuellement la 7ème place, la lutte entre le numéro 73. C'est Jean-Marie Jouvent, le numéro 73. Avec Stéphane Serre, le numéro 46. Ensuite, on retrouve Jean-Pierre Chemin avec le Vilose, le Pantera, tout au plus loin de. Il me semble que voilà, c'est Laurent Moussa, numéro 88. Et ça revient déjà de demander au Julien Procker. Que c'est joli ce passage! Que c'est joli ce passage sur ce châssis sur PS. Et regardez, Jean-Marie Jouvent, je vous à l'extérieur, la sortie sur Etienne. C'est sorti un petit peu trop large de Jean-Marie. Il va falloir le courage pour aller chercher le top 20 dans cette manche de l'ultimative. Pour le châssis qui va peut-être à la relance. Si on joue sur Etienne, ce sera toujours le châssis camionneuse. Pour aller à l'étage, on s'y active. Pour aller juste à Etienne, qui a joué un petit peu de large. Que Jean-Marie, mais juste là, il va faire plus vite. Que Jean-Marie, je veux le châssis Stinger. Le châssis construit avec Thierry Barbizan, côté du sud de la France. Allez, c'est dernier tour là. Pour Julien Procker avec son numéro. Problème pour Jean-Pierre Bourgeois qui reste à la deuxième place, la bagarre elle est là entre Gisela Etienne et Jean-Marie Jouvent. Jean-Marie Jouvent, la tête de freinage. Que c'est joli cette bagarre, Maxime Agallo qui pointe à la cinquième place. On a Jérôme Mouillard, on a Jean-Pierre Chemin, bien l'autre également Stéphane Serre. Le numéro 4, le numéro 8, le numéro 8, le numéro 8, le numéro 56, sur le barracoulé, c'est la même. Et pour l'instant, la victoire de Julien Procker.